pas forcément pour moi, tous les savants, à savoir la prière et la salutation de la mosquée. Ce qu'on appelle en arabe Tahiyatu al-Masjid, Salat Tahiyati al-Masjid. Alors, on commence d'abord par le premier point qui concerne le sens littéraire de Tahiyya. Le Masjid, nous savons ce que c'est que le Masjid, bien que on peut aussi apporter plus de précision là-dessus, mais on le sera pour l'autre fois. Mais concernant Tahiyya, dans le sens littéraire, c'est un mot qui vient du mot al-Hayat. Al-Hayat signifie la vie. Al-Hayat signifie la vie. Donc il s'agit en fait de faire une prière pour quelqu'un afin que Dieu lui donne la vie, qu'il lui donne une bonne vie. Et au fur et à mesure, ce mot-là a pris une autre connotation qui signifie demander à Dieu qu'il accorde tous les outils et les biens qui permettent à la personne de mener une bonne vie. Parmi ces choses-là, on parle de salam, la paix. Lorsque tu dis assalamu alaikum, ça veut dire je vous bien, ou hayyika bis salam, ça veut dire je te salue en demandant à Allah Azza wa Jal de te donner la paix dans ta vie. Parce que avoir la vie sans paix, ça ne vaut absolument, ça ne vaut rien. Avoir une vie longue mais sans paix, c'est pas une vraie vie. C'est pas une vie qu'espère un homme raisonné. Donc voilà comment, c'est-à-dire ce sens littéral a commencé à prendre une autre forme. Dans le sens théologique, les jurisconsultes utilisent le mot tahiyya dans plusieurs domaines. Il y a la salutation tahiyya entre les musulmans. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, wa idha tahiyyitum bi tahiyyatin wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, si on vous salue avec une salutation, répondez avec une qui est meilleure ou au moins répondez par la même salutation. Il y a aussi la salutation des morts. Lorsqu'un musulman passe devant un cimetière, il se doit d'invoquer Allah Azza wa Jalla et d'accomplir une prière pour les défunts musulmans et croyants qui sont dans ces cimetières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ce dua, le fait de dire assalamu alaykum ala diyari wal mu'minin wal muslimin, salut sur vous, ô les habitants de cette demeure, faisant référence au cimetière, ou les habitants de cette demeure, parmi les croyants et les musulmans, wa inna bikum insha'Allahu la lahiqun, et nous allons vous suivre, ou bien nous allons vous rejoindre, insha'Allah, nous aussi on va être parmi les inhumés dans ce cimetière. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah, je demande à Allah Azza wa Jal pour nous ainsi que pour vous la protection de ce qu'il y a après la mort. Et pour soi-même, on demande la protection de ce qu'il y a avant la mort. Ensuite, il y a le sujet qui nous concerne, à savoir la salutation de la mosquée, le fait de saluer la mosquée. Et en fait, les savants disent, lorsqu'on parle de saluer la mosquée, c'est parce qu'on est en train de saluer une terre qui est la meilleure de ce qu'il y a sur cette terre. Partie de la terre qui est la meilleure auprès d'Allah Azza wa Jalla. Nous savons très bien le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrul biqa'i ila Allah al-masajid » les meilleurs endroits qu'aime Dieu sont les mosquées. « Wa sharruha al-aswaq » et les pires des endroits sont les marchés. Et donc le fait de saluer la mosquée, en fait c'est on est en train de saluer le Seigneur de la mosquée. C'est une salutation qui est adressée à Dieu et non pas à l'endroit lui-même. Donc l'endroit lui-même, c'est une symbolique parce que c'est la demeure de Dieu. Donc cet aspect symbolique fait qu'on salue cette mosquée, mais par cette salutation, on est en train de saluer Allah Azza wa Jalla. Le troisième point, c'est le décret relatif à la prière de salutation. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une sunna seulement? Et là, les savants ont divergé en deux avis. Le premier avis dit que c'est une obligation. Donc, quelqu'un qui entre dans une mosquée, il se doit d'accomplir tahiyyat al-masjid. Et pour le deuxième avis, il s'agit en fait d'une sunna. Il s'agit d'une pratique conseillée, non pas obligatoire. Et on verra l'argumentation des partisans des deux avis. Alors, pour
Ceux qui ont opté pour le premier avis, savoir qu'il est une obligation, ce sont al-Ghalib. Al-Ghalib, ce sont les jurisconsultes qui appartiennent à l'école de Daoud Zahiri, l'école de Ibn Hasm. Et cette école avait justement cette particularité de se baser sur le sens apparent des textes. Et c'est pour cela qu'on a vu qu'assez souvent qu'ils avaient parfois des opinions qui sortent de ce qui serait raisonnable. N'empêche que ce sont des gens qui, quand même, ont une bonne argumentation. Et à plusieurs reprises, ils ont montré la pertinence de leur avis. Et donc, pour eux, ils considèrent que la prière de salutation de mosquée est une obligation. Et plusieurs savants non radiques ont opté aussi pour cet avis-là, tel que Imam Shoukani et comme San'ani, qui sont à la base des Hanbalites, bien que ce sont des gens qui sont arrivés à Darajat al-Jihad, c'est-à-dire ils sont arrivés à un niveau où ils sont capables de fournir l'effort intellectuel pour donner la prédominance à un avis par rapport à un autre. Et donc, eux, lorsqu'ils se sont étalés, Shoukani par exemple dans son livre Al-Awtar, ou bien San'ani dans son livre Subul Salam, lorsqu'ils se sont étalés sur l'avis des uns et des autres et l'argumentation des uns et des autres, eux, ils ont penché pour l'avis qui dit que c'est une obligation et non pas une simple sunna. Alors, quelles sont les preuves sur lesquelles les partisans de cet avis se sont basés pour formuler cette opinion? Alors, la première preuve, c'est qu'ils se basent sur un hadith rapporté par le Bukhari et le Muslim, selon Abu Qutada. Abu Qatada, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là va nous revenir pendant tout ce cours-là et celui qui suivra. Donc, selon Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ida dakhala ahadukumu al-masjida falyarka rak'atayni qabla an yajlis » Si l'un de vous entre dans la mosquée ou à la mosquée, qu'il accomplisse deux unités de prière avant qu'il ne s'assoie. Il y a une autre version qui ressemble à celle-ci et dans laquelle le prophète s'est aussi rapporté par le Bukhari muslim et dans laquelle Abu Hatada a rapporté sur le prophète qu'il a dit « Il a dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yarka rak'atayn » Dans la première version « fala yarka rak'atayn qabla an yajlis » Dans cette version « fala yajlis hatta yarka » Si l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas accompli de rak'at. Dans l'apparence, on a une ressemblance entre les deux versions, mais il y a une petite nuance entre les deux langages. La deuxième preuve sur laquelle ils se sont basés, c'est le hadith rapporté par Bukhari et Muslim aussi, sur Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui dit جاء سليم الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليم قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Donc Jabir ibn Abdillah rapporte que un compagnon qui s'appelle Suleik al-Ghatafani, ce hadith-là aussi va nous revenir souvent, Suleik al-Ghatafani est entré le jour du vendredi à la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, ou bien accomplissait le prêche du vendredi. Et Suleik s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Suleik, lève-toi et accomplis deux unités de prière et allège-les. » Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un de vous entre dans une mosquée le jour du vendredi, alors que l'imam est en train d'accomplir le prêche, qu'il accomplisse deux rak'at et qu'il les allège. » Il accomplisse deux rak'at et qu'il les allège. Donc à partir de ces deux hadiths qu'on a cités, le hadith de Abu Qatada et le hadith de Jabir ibn Abdillah sur Suleik al-Ghatafani, à chaque fois on va dire hadith d'Abu Qatada, ou Abi Qatada selon la formulation en arabe français, ou bien on va parler du hadith de Suleik al-Ghatafani. Dès que je vous dis Abu Qatada, c'est le
hadith dans lequel le Prophète a dit lorsque l'un de vous rentre dans une mosquée, qu'il accomplisse les 6 rak'at avant de s'asseoir. Un hadith général qui n'est pas spécifique à la prière du vendredi. Et lorsqu'on va parler du soleil du Ghatafani, le hadith du soleil du Ghatafani, automatiquement, on va faire référence à cette fois, le soleil du Ghatafani qui est entré alors que le Prophète prêchait le jour du vendredi. Comme ça, vous allez vous situer rapidement. Donc, ces deux hadiths, on voit bien ce que disent ceux qui sont pour la vie de sur l'obligation. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces deux hadiths, a donné un ordre. Il a donné un ordre avant. Et selon les savants de la science du fondement de la jurisprudence islamique, elle nous console, eux ils disent Al-amr yufid al-wujub, wa al-nahy yufid al-tahrim. Illa. Donc l'ordre signifie l'obligation. L'ordre signifie l'obligation. Et l'interdiction signifie ou implique la proscription. Sauf s'il y a une autre preuve, par ailleurs, qui montre l'inverse, que ce n'est pas une obligation. Donc pour eux, il n'y a pas une autre preuve qui montrerait qu'il s'agirait uniquement du sunnah. Donc à partir de là, le prophète va vous parler d'un ordre. D'accord ? Et c'est celui d'accomplir la prière lorsqu'on rentre à la mosquée, avant de s'asseoir. Il a donné un ordre à Suleyman Ratafani de se lever et d'accomplir la prière de salutation de la mosquée. Donc à partir de là, il s'agit pour ces savants-là d'une obligation. Et donc voilà pourquoi ils ont opté pour une prescription obligatoire de la prière de salutation de la mosquée. D'autant plus, disent-ils, que le hadith d'Abu Qatada, radiallahu anhu, c'est un hadith qui est détaillé. En fait, Abu Qatada est rentré à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec un groupe de compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jalisan, bayna dharanay nas, fa jalasa Abu Qatada. Abu Qatada s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu t'es assis? Et Abu Qatada a répondu, parce que j'ai vu que tu étais assis, que les compagnons, que ceux qui sont avec toi, sont assis. Il lui a dit, lève-toi et accomplis deux rak'at. Lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il accomplisse deux rak'at avant de s'asseoir. Ou bien lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoie qu'après avoir accompli deux rak'at. Donc les détails de ce hadith, circonstance de ce hadith, montrent bien que Abu Qatada, il s'est assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Donc imaginez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question, il dit pourquoi tu t'es assis, ça veut dire que normalement il devait accomplir la prière. Et l'excuse de Abu Qatada n'était pas suffisante parce qu'il a dit tu t'es assis avec le groupe de musulmans. Et là il lui a dit lève-toi et accomplis la prière. Donc là ça confirme pour ces savants-là qu'il s'agit d'une obligation. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il le fasse sans lui demander de se lever et de la faire. S'il lui a demandé de se lever et de la faire, pour eux, donc c'est une obligation. Alors, le fait aussi de dire, lorsque la version qui dit, lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'accomplir le rak'at, ça c'est une interdiction, qu'il ne s'assoie pas. Donc là, c'est une interdiction. Et l'interdiction signifie, ou bien implique, la prohibition, ou la proscription. C'est-à-dire c'est une interdiction, c'est proscrit de s'asseoir avant d'accomplir le rak'at. Donc là aussi, c'est une règle de l'Imam Rasoul de dire Al-Nahy yufid al-tahrim, illa idha ja'at qarina. Si il y a une autre preuve qui l'inclinerait vers un autre avis, de dire que c'est seulement du seul. La troisième preuve, c'est une preuve qui a été rapportée par Ibn Abi Shayba, qui sur Abu Qatada, toujours sur le hadith-là, dans ce hadith-là, le prophète aurait dit « A'tou al-masajid haqqaha » « Donnez aux mosquées ses droits, leurs droits. »« Donnez aux mosquées leurs droits. » Et on lui a répondu « Wa ma haqqaha » Et quel est le droit des mosquées? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu « Raka'atayni qabla al-tajlis » Et c'est toujours Abu Qatada, cette version-là, elle est rapportée sur Abu Qatada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. C'est-à-dire il a dit « Donnez aux mosquées leur droit. » Et quel est le droit des mosquées? Tout le monde a dit, il a dit « D'accomplir le rak'at avant de t'asseoir. »
Sauf que ce hadith est faible. Les savants, là-dessus, ils sont unanimes. Le hadith là est faible, donc on ne peut pas le prendre comme une référence. Donc là, c'est le premier avis de ceux qui ont dit que c'est une obligation. Le deuxième avis, et c'est l'avis de la majorité des savants, les Maliki, les Hanafi, les Hanbali, les Shafi'i, donc des quatre avis. Le premier, c'est l'avis de Al-Dahir, avec quelques savants qui sont à la base Hanbali, parce que, faut le savoir, les Hanbali, à la base, ils ont une ressemblance avec les Dahir, parce qu'eux aussi, ils se basent sur l'apparence des textes. Ils se basent beaucoup sur l'apparence des textes. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de jugements, ils se retrouvent, les Dahir et les Hanbali se retrouvent, contrairement à aux autres écoles. Donc les quatre autres écoles, ce qui fait la majorité des savants, parce qu'il s'agit uniquement d'une sunna et pas d'une obligation. Alors, il se base sur des ahadiths et il se base sur des récits. À part les ahadiths, ce qu'on appelle l'ahra. Si vous entendez l'ahra, ça veut dire un récit. Alors, l'ahra, ça peut être un hadith, un récit sur le prophète. Et s'il ne concerne pas le prophète, ça devient un ahra, un récit qui peut concerner les compagnons, qui peut concerner les successeurs ou les successeurs des successeurs. Alors, eux, ils reprennent le hadith de Qatada, dans lequel le prophète a dit, lorsque l'un de vous entre dans une mosquée, qu'il accomplit sa prière, le dorkas avant de s'asseoir. Mais ils disent ce hadith-là, ce amr-là, cet ordre-là, ne signifie pas une obligation. Pourquoi disent-ils? Parce qu'il y a deux hadiths qui nous montrent que la prière de la salutation de la mosquée ne peut pas être obligatoire. Ne peut pas être une obligation. C'est quoi cet hadith? Le premier hadith, c'est un hadith rapporté sur Dhiman ibn Tha'laba. Dhiman ibn Tha'laba, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bédouin. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est authentique, il rapporte par le Bukhari muslim. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posait des questions sur la religion. Et il lui a dit quelles sont mes obligations dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lui parler des prières. Il lui a dit 5 prières par jour. Il lui a dit Hal alayya ghayruha. Est-ce qu'il y a d'autres prières que je dois accomplir à part ces 5-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La illa anta tawwa. Non, sauf si tu veux te porter volontaire. Sauf si tu veux accomplir une autre prière. Et pareil, il lui a posé la question sur le jeûne. Il lui a dit le jeûne du mois de Ramadan. Il lui a dit est-ce que j'ai d'autres jours à jeûner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La illa anta tawwa. Et pareil pour la zakat. Il lui a dit la zakat, c'est dans les temps et temps. Et il lui a dit est-ce qu'il y a d'autres aumônes que je dois donner? Il lui a dit La illa anta tawwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il est parti, il a dit Aflaha bin Sadaf. Il sera parmi les. Enfin, réussira si ce qu'il dit est vrai. Si ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire, non, il a dit, en fait, l'imam, il a dit à la fin Je jure par Dieu que je ne rajouterai rien par rapport à ce que tu m'as donné. La zidou ou la annonce, je ne rajouterai rien et je ne retrancherai rien. Et ensuite, il est parti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aflaha bin Sadaf. Il réussira si ce qu'il a dit est vrai. Donc les savants disent, à partir de ce hadith-là, on voit que les seules prières obligatoires sont les cinq prières. Sont les cinq prières. Donc, à ce moment-là, les jamais sont là. Donc, hormis ces cinq prières, toutes les autres prières sont sur le regardoir et ne sont pas obligatoires. Donc là, les partisans de cet avis ont ramené une qarina, c'est-à-dire une preuve qui dévie le sens de l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et qui le rabaisse de la prescription à la sunna. Ce n'est plus donc pour eux une obligation puisque le hadith là montre qu'il n'y a que 5 prières qui sont obligatoires. Le deuxième hadith donc pour eux qui est notre parraine pour réfuter l'idée selon laquelle l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam impliquait l'obligation. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, par Nasa'i, et qui a été authentifié par l'imam Hakim. Et l'imam Zahabi s'est accordé avec lui là-dessus. Parce qu'il faut savoir, Hakim, le reproche que certains ont pour Hakim, c'est qu'on dit qu'il était quelqu'un qui n'était pas aussi draconien dans l'authentification des hadiths que Bukhari Muslim. Il a écrit lui un recueil dans lequel il s'est engagé à recueillir les hadiths authentiques. Comme lui-même s'est engagé à recueillir les hadiths authentiques.
Sauf que les savants ne sont pas tout à fait d'accord avec lui sur tous les hadiths qu'il a rapportés dans ce recueil. Ce n'est pas comme Bukhari aussi. Tout le monde est d'accord. Quelques exceptions, ce n'est pas celui dont on parlait au moment. Mais sur Hakim, on dit pourquoi? Parce que les conditions qu'il exigeait pour que le hadith soit authentique sont moins draconiennes que les conditions de Bukhari ou que les conditions de Muslim. Et c'est pour cela que d'autres savants ont repris les hadiths qu'il a authentifiés pour dire nous sommes d'accord avec lui ou nous ne sommes pas d'accord avec lui. Donc lorsque vous entendez que le Hakim a authentifié un hadith, déjà ça a du poids, ça a du poids, quoi qu'on puisse dire. Et lorsque vous entendez que Dahabi, Imam Dahabi, là, s'est accordé avec lui sur l'authentification de ce hadith, c'est que, parce que Imam Dahabi aussi, c'est une grande référence, Imam Dahabi, c'est parmi les grandes références au niveau de la science du hadith. Donc cette information, ce détail-là est important. Donc le hadith là est authentique et c'est un hadith qui a été rapporté sur Abdullah ibn Bussam, radiallahu anhu. Donc Abdullah ibn Bussam a dit Ja'a rajul yatakhatta riqaba yawm al-jum'ah. Ja'a rajul yatakhatta riqaba yawm al-jum'ah wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yakhutub fa qala ijlis faqad adayt. Et dans une autre version, ijlis faqad adayt wa anayt. Donc il dit un homme est venu le jour du vendredi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait et il voulait venir dans les premiers rangs, ce qui fait qu'il traversait les rangs en passant le pied par-dessus les épaules des gens. C'est-à-dire il passait entre les gens pour venir devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et il lui a dit « Ijlis, assis-toi, parce que tu as dérangé. » Et dans une autre version, « Assis-toi, parce que tu as dérangé et tu es venu en retard. »« Anayta, anayta, c'est-à-dire que tu es venu en retard. » Et je dis pas « Anayta » ou « Anayta ». Tu es venu, assis-toi, tu as dérangé et tu es venu en retard. Donc les savants disent ce hadith-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que si la salutation de la mosquée était une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit arrête-toi, accomplis de prière et suis assis-toi. Arrête-toi, ne continue pas à traverser les rangs, accomplis de prière et puis assis-toi. Alors que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ijlis, assis-toi. Le prophète a bien remarqué qu'il venait d'entrer parce que quelqu'un qui vient pour rattraper une première rangée, habituellement, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la salutation de la mosquée et ensuite il s'est levé pour venir devant. Automatiquement, c'est quelqu'un qui est rentré et est venu directement devant. Donc le prophète Rasmus a dit Ijlis faqad adayt. Donc là, il dit si le prophète Rasmus considérait que la salutation de la mosquée était une obligation, d'une manière générale, on parlera plus tard de Juma, c'était une obligation, il lui aurait dit, comme il a dit à celui qui va pas accompli dans le cas, arrête-toi, accompli dans le cas de salutation ainsi. Donc là, c'est une autre pari là, une autre preuve qui montre que l'ordre qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Qatada n'était pas un ordre par lequel il voulait signifier l'obligation d'accomplir cette prière. Voilà. Donc voilà les deux hadiths qui descendent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam du degré de l'obligation au degré de l'istihbar de caractère conseillé de cette prière, de la sunna de cette prière. Certains contemporains ont ajouté une autre preuve. Il n'a pas été cité par les anciens. Pourquoi? Parce que peut-être les anciens sont plus intelligents que les contemporains. Pourquoi? Parce que les contemporains, ils ont dit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait le jumu'ah, lorsqu'il prêche le vendredi, il n'accomplit pas la prière de salutation. Il entre directement, il monte sur la chaîne. Et ensuite, il prêche. Et ensuite, il s'assoit. Il s'assoit. Entre les deux prêches, il s'assoit, voilà, il s'est assis, il s'assoit et ensuite il se lève pour continuer. Donc voilà, il n'a pas, ici il n'a pas accompli la prière de salutation. Si elle était une obligation, il l'aurait fait avant de monter sur le minbar. Alors, ça c'est les preuves qu'ils ont apportées à partir de la sunna du prophète. Ensuite, on a dit qu'ils avaient d'autres preuves qui sont relatives au récit, à d'autres récits. Parmi ces récits, ce n'est pas à peine de s'allonger trop dessus.
Un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, et qui a rapporté que Zayd ibn Aslam, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit les compagnons, ou un qui a vu qu'avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam entraient dans la mosquée et en sortaient sans accomplir la prière. Quand ils entraient dans la mosquée, ils sortaient sans accomplir de prière. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la salutation de la mosquée est une obligation, il l'aurait accompli. On verra comment il s'est basé sur cela pour ne pas prier la salutation de la mosquée en entrant dans une mosquée ou en passant dans une mosquée. Alors, donc voilà l'argumentation de ceux qui ont voté pour le deuxième avis. Bien entendu, il y a toujours des discussions entre les uns et les autres. Un affrontement intellectuel, c'est pas un affrontement avec les épées ou avec les insultes comme ce que certains gens font aujourd'hui. Non, c'est un affrontement intellectuel et scientifique. Scientifique avec tout, avec le respect qui se doit dans ce genre de situation. Ceux qui ont voté pour le premier avis, ils ont répondu à ceux du deuxième avis. On va reprendre preuve par preuve de ce que vous avez dit et on va vous montrer que ces preuves-là ne sont pas vraiment probantes. Alors, ils disent concernant le hadith d'Imam Ibn Tha'laba, le hadith selon lequel Imam Ibn Tha'laba est venu voir comme ça, il n'y a que 5 prières. Il dit que ce n'est pas un hadith que vous pouvez prendre en compte. Pourquoi ? Il dit parce que nous savons tous très bien que dans l'islam, il n'y a pas que les obligations de l'islam ne se limitent pas uniquement à ce qu'a dit le prophète par des mains. Il y a les cinq prières, la zakat, il y a d'autres obligations qui existent dans l'islam, mais pas que les cinq pas, pas que les cinq piliers de l'islam. Il y a d'autres obligations. Donc le hadith, on n'a pas à prendre en compte. Vous voyez déjà que ce n'est pas forcément. Même s'ils réfutent ce que les autres amis, c'est pas son nom, c'est pas du tout. Ils leur ont dit d'autant plus qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité dans ce hadith, dans les mêmes. Comme exemple, il leur a dit l'exemple de la prière du Jumu'a. La prière du Jumu'a, c'est une obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité la prière du Jumu'a. Alors que c'est une obligation. Allah a dit à l'Ibn al-Amanou, il a dit à l'Ibn al-Amanou, laissez le commerce, le négoce et aller faire la prière. Et c'est une obligation. Donc, voilà, une prière obligatoire qui n'a pas été citée dans les cinq prières. Les autres leur répondent, mais non, parce que la prière de Jumu'a a remplacé la prière de Dhuhr, qui fait partie des cinq prières. Donc, notre avis est toujours bon. Ils leur ont dit, non, mais il y a d'autres prières qui sont obligatoires à part celle de Jumu'a. Comme quoi? Ils leur ont dit, comme la prière de Janaza. C'est une prière obligatoire. Les autres leur répliquent, oui, mais la prière de Janaza, c'est une prière obligatoire pour l'ensemble des musulmans. C'est-à-dire, pas pour chaque personne. Si le groupe l'accomplit, tous les individus ne sont pas obligés de l'accomplir. Les autres, ils ont dit, oui, mais il y a la prière de l'Eid. Ils leur ont dit la même chose, ils leur répondent la même chose. Oui, mais ces prières-là ne sont pas une obligation. Il n'y a que vous qui dites que c'est une obligation. Nous, on ne dit pas que la prière de Janaza est une obligation pour toute personne. D'ailleurs, on ne l'accomplit pas pour Shahid, celui qui est mort, Shahada, on ne lui accomplit pas la prière de Janaza. Donc, ce n'est pas une obligation. Vous voyez? Donc, nous, c'est-à-dire notre argumentation tient toujours bon. Alors, les autres, ils répondent, ils disent oui. Mais il y a certaines choses, certaines prières, certaines autres adorations, obligations, qui sont à la base surérogatoires, mais qui deviennent obligatoires dans certaines circonstances. Par exemple, nada. Nada, c'est lorsque quelqu'un dit, si jamais je réussis, si jamais je trouve un travail, je m'engage à accomplir tant de prières, ou je m'engage à jeûner dans 2 jours. Certains nada. Et à partir de ce moment-là, ça devient une obligation. Et puisque ça devient une obligation, donc, ça réfute l'idée que vous dites, selon laquelle il n'y a que les 5 prières qui sont obligatoires. Et le jeûne du Ramadan qui est obligatoire. Voilà, il y a d'autres jeûnes, d'autres prières qui deviennent.
quotidienne obligatoire dans certaines circonstances. Et bien nous, on considère que la circonstance qui fait que la prière de salutation de la mosquée devient une obligation, c'est le fait d'entrer dans la mosquée. Dès que tu es entré dans la mosquée, il est devenu obligatoire. Ce n'est pas une obligation pour celui qui est à l'extérieur de la mosquée. Vous allez me dire, ce qui n'est pas le jeu. Et voilà, justement, chacun essaie de défendre, j'allais dire son biftec, mais défendre son opinion. Les autres leur disent non, ce que vous dites là, c'est-à-dire notre argumentation est solide, elle tient toujours. Ce que vous dites là n'a pas effondré l'argumentation que nous avons avancée. Alors, ils leur disent, d'accord, on va passer au deuxième hadith, le hadith de Abdullah ibn Boussa, qui est entré dans la mosquée et qui a commencé à avancer. Le prophète lui a dit, assieds-toi. Ils lui ont dit, ben, il se peut que Abdullah ibn Boussa a accompli la prière au sein de la mosquée avant d'entrer à la mosquée. Donc, c'est pour ça que le prophète lui a dit, assieds-toi, il ne lui a pas demandé d'accomplir deux rakat. Est-ce que vous avez une preuve qu'il les a accomplis? Non, on ne peut pas dire qu'il les a accomplis. Parce que ce qui vient à l'esprit, à première vue, c'est qu'il est rentré et il a commencé à avancer pour venir devant. S'il avait accompli la prière à l'arrière, il serait resté là où il est. Pourquoi il va dans ce cas avancer? Non, s'il a avancé, c'est qu'il venait d'entrer. Soit vous nous ramenez une preuve qu'il l'a accompli. Donc là, vous vous basez sur le doute, sur la conjecture. À l'heure 20, et donc c'est dans le et la conjecture ne compte pas ici. Donc, notre argumentation tient toujours. Alors, les autres disent, ben, il se peut que la prière de la salutation de la mosquée n'était pas une obligation au départ, mais il l'est devenu dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il l'a dit explicitement. Les autres non plus, ils leur disent, mais est-ce que vous avez une preuve? Parce que pour dire qu'il y avait une nasr, ou que nasr, ça veut dire qu'il y avait un décret, après ce décret-là a été abrogé, est-ce que vous avez une preuve? Les autres, non, on n'a pas de preuve. Donc c'est toujours des suppositions. À partir de là, vous ne pouvez pas réfuter notre argumentation. Quant à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la troisième argumentation, qui a été apportée par des contemporains, leur preuve, elle ne tient pas. Et c'est pour cela que ceux qui ont opté pour le premier avis, c'est facile de demander leur preuve. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas accompli la prière de salutation lorsqu'il montait à l'imba. Donc, ils leur disent, ben, ça, c'est peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait avant de monter. Mais là, les compagnons l'auraient vu, l'auraient remarqué. Ou bien, ils leur disent, mais de toute façon, ça peut être une exclusivité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lui, il n'accomplit pas sa prière. Et faire le rassemblement sallallahu alayhi wa sallam, ses actes deviennent une loi. Les actes deviennent une loi. Mais pour les gens, il leur a dit, lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, il accomplit. Et là, la prière du vendredi, c'est exceptionnel. D'accord? Et il leur répond pareil en disant, et il se peut aussi que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplisse le khutbah, c'est une adoration de faire le khutbah. Donc le fait d'accomplir le khutbah, c'est comme une prière qui remplace la salutation de la mosquée. Donc pour lui, comme il accomplit le khutbah, il n'a pas à accomplir la salutation de la mosquée. Donc là, c'est plus facile de démonter cette avis. Alors, maintenant, pour ce qui est du récit de Zayd ibn Aslam qui dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam entraient dans la mosquée et en sortaient sans accomplir de prière. Les autres, ils leur disent, oui, mais dans ce cas-là, il se peut qu'ils entrent dans la mosquée, non pas pour y demeurer, c'est deux passages. Et cela, on peut vous l'accorder parce qu'il y a, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il y a des hadiths qui disent que lorsque tu es de passage, tu peux ne pas accomplir la prière de la salutation de la mosquée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ils disent, il se peut aussi que c'était le cas avant que ceci ne soit abrogé. Avec le hadith explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit de Abu Khatel. Alors, néanmoins, donc, comme j'ai dit, les partisans du deuxième avis leur disent que toute votre argumentation se base sur beaucoup de suppositions, et à partir de là, donc, notre argumentation tient toujours. Donc il s'agit seulement d'une seule. Voilà pourquoi donc, l'avis de la majorité est un avis qui est plus solide. Même si vous allez
trouver dans d'autres argumentations que certains vont plutôt pencher vers l'avis de Al-Bahed, comme Iska fait le même Shankari et Sahani, se sont penchés dans ce sens-là. Mais quand même, on voit bien que les deux hadiths qu'on citait, ceux qui ont opté pour le deuxième avis, ceux qui ont dit que c'est du sunna, les hadiths-là montrent bien qu'il ne s'agit pas d'une obligation, puisque nous savons bien que les cinq prières obligatoires sont les prières que nous connaissons. Et hormis ces cinq prières, les autres deviennent et sont considérées comme surérogatoires. Donc voilà le premier point sur lequel les savants ont divergé. Vous avez vu l'argumentation des uns et des autres. C'est difficile, bien entendu, de prendre position, bien qu'on peut pencher vers une ou vers l'autre, mais tout, notre but, comme on dit, je le dis toujours avec, c'est de voir que les gens, lorsqu'ils divergent, les gens de science, bien entendu, pas les suivants, les gens de science, lorsqu'ils divergent, ils divergent sur la base d'argumentations scientifiques qui tiennent la route et d'argumentations qui font référence aussi bien à des textes scripturaires qu'au raisonnement de ces savants. Maintenant, le quatrième point dans cet exposé, c'est est-ce qu'on accomplit la prière de la salutation de la mosquée dès qu'on entre bien dans une mosquée ou uniquement dès qu'on entre dans une mosquée, même si on ne souhaite pas y demeurer, ou que lorsqu'on souhaite s'asseoir dans sa mosquée. Parce que lorsqu'on vient à Hadith Prophète Sassi, il a dit qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'accomplit pas de rak'at, ou qu'il accomplisse de rak'at avant de s'asseoir. Supposons que quelqu'un entre dans la mosquée, il ne veut pas s'y asseoir. Comme le cas de notre mosquée, il y a des profs qui viennent pour donner des cours, il y a des élèves qui viennent pour prendre un cours, pour prendre un soutien scolaire, suivre un soutien scolaire. Donc son but, ce n'est pas d'accomplir la prière ou de rester à l'intérieur de la salle de prière. Il traverse la mosquée et il part dans une classe où ils sont de l'autre côté, où il vient chercher quelque chose qu'il a oublié, un prof qui a oublié quelque chose, ce qu'en entrant chercher, ce qu'il a perdu, il doit accomplir encore la prière. Bien entendu, vous pouvez imaginer pour les dahiret, à chaque fois que tu rentres, que tu veux t'asseoir ou pas, tu dois accomplir. Donc pour les frères, par exemple, qui gardent la mosquée, les frères qui nettoient et tout ça, ils sortent à l'extérieur, ils rentrent à chaque fois qu'ils sortent, ils rentrent. Pas question, il faut qu'ils accomplissent la prière. Alors là aussi, il y a deux avis. Les savants ont divergé. Le premier avis, c'est celui des Malikites. Et le deuxième avis, c'est celui des autres écoles. Trois autres écoles. Les Malikites ont eu l'exclusivité, enfin, se sont écartés des autres écoles concernant leur avis. Alors pour les Malikites, ils disent que, bon, déjà, c'est du sunnah pour les quatre écoles d'avis. Mais eux, ils disent. La prière, la salutation de la mosquée est une sunna, est prescrite comme sunna seulement pour celui qui peut s'asseoir à la mosquée et non pas pour celui qui est de passage. Voilà pour les malikites. Alors, ils tiennent pour preuve plusieurs hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Qatada, qu'on a cité. Le professeur a dit explicitement il a dit qu'il 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 ne s'assoit pas avant d'accomplir le rak'at ou qu'il accomplisse le rak'at avant de s'asseoir. Le prophète, on sait très bien qu'il est précis dans ses paroles. Il aurait pu dire lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il accomplisse le rak'at, sans préciser avant de s'asseoir ou qu'il ne s'assoit pas avant. Donc il aurait pu dire dès que l'un de vous aussi. Le professeur voulait dire qu'il faut les accomplir dès qu'on entre dans une mosquée, il aurait pu être explicite là-dessus et dire lorsque l'un de vous entre dans une mosquée qu'il accomplisse le rak'at. Mais lorsqu'il a dit qu'il ne s'assoit pas avant d'accomplir le rak'at, donc là, ça veut bien dire qu'il conditionne la condition de son rak'at pour celui qui veut s'asseoir. Voilà la première preuve des malikites. On voit que c'est une preuve qui est quand même solide. La deuxième preuve, c'est le hadith de Zayd ibn Aslam qui confirmait que les compagnons entraient à la mosquée et ils sortaient sans accomplir la prière. Donc là, ils disent, on suppose qu'ils entrent non pas pour s'asseoir, donc de passage, et ils sortent, et dans ce cas, ils ne l'accomplissaient pas. Ce qui confirme justement qu'on ne l'accomplit pas lorsqu'on est de passage. D'accord ? Troisième preuve, c'est ce qu'a rapporté Ibn Abi Shayba sur
Khalid ibn Abi Bakr, radiallahu anhu, qui a dit Ra'aytu Saliman yadkhulu min al-masjid hatta yakhruja min al-khukhati duna an yusalli. Donc Khalid ibn Abi Bakr a dit j'ai vu Salim, d'accord, le prophète, entrer à la mosquée jusqu'à ce qu'il sorte de l'khukha sans accomplir de prière. L'khukha, c'est une petite porte qui est au centre d'une grande porte. Comme ça, c'est pour une grande mosquée. Vous avez des grandes portes et pour ne pas ouvrir à chaque fois la grande porte, on y mettait des petites portes. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de monde, on ouvre la grande porte. Lorsqu'il y a peu de monde, on n'ouvre que la petite porte. Donc, cette petite porte-là, on l'appelle Khoukha. Même dans les grandes maisons au bled, pour ne pas avoir le froid qui rentre, ils mettent des grandes portes et avec une petite porte qu'on utilise pour qu'il n'y ait pas trop froid. Et l'été, on ouvre le tout. Donc, c'est ça ce que ça veut dire Khoukha. Donc, il disait, c'est aller entrer dans la mosquée. Et il n'accomplissait pas prier jusqu'à ce qu'il ne sorte pas la petite porte. Donc là aussi, c'est un hadith qui, ou un ata qui montre bien que Salim, le compagnon du prophète, parce que vous pas, n'accomplissait pas cette prière-là en passant par la mosquée. Abdelrazzaq, dans son Musannaf, donc lui aussi rapporte un hadith sur l'Ala ibn Abdelrahman qui dit. J'ai vu Abdullah ibn Omar entrer à la mosquée, puis sortir sans y accomplir la prière. Nous savons très bien, comme je dis toujours, Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui tenait énormément à la sunna du prophète. Donc j'ai vu Abdullah ibn Omar entrer à la mosquée, sortir sans accomplir la prière de salutation de la mosquée. La cinquième preuve, c'est que Malik ibn Mansour, il rapporte sur Zayd ibn Sa'd ibn Thabit. Et il rapporte sur Salim ibn Abdillah qu'il traversait la mosquée sans accomplir la prière de salutation. Et l'élève de l'imam Malik, Ibn Qasim, qui a écrit le domaine, donc Ibn Qasim a dit j'ai vu l'imam Malik faire la même chose, c'est-à-dire traverser la mosquée sans y accomplir la prière de salutation. J'ai vu l'imam Malik faire pareil, traverser le passage sans prier. Dans le hadith, il a dit, Ibn Malik, il a dit « Kana yakhariqani masjida et hajatihima » donc pour abîmer. Et Ibn Qasim dit « Wara'aytu Malik yaf'alu dhalika yakhriquhu mujtazan fala yarka » traverser la mosquée en deux passages sans accomplir de prière. Alors donc là, c'est la vie de l'imam Malik qui dit que on accomplit la prière de salutation de la mosquée que lorsqu'on veut s'asseoir à la mosquée. On veut prier ou bien on veut s'asseoir. Mais pas lorsqu'on est de passage, pour une raison ou une autre. Le deuxième avis, il s'agit de l'avis de la majorité, donc de l'Ahnaf, de Shafi'iyya et de l'Hanabila, qui, pour eux, on accomplit la prière de salutation de la mosquée dès qu'on entre dans la mosquée, qu'on soit de passage ou pas, qu'on veut s'y installer ou qu'on soit de passage. Alors, ils tiennent pour preuve ce qu'a dit le professeur. Il dit lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas. Les autres, ils ne prennent pas en compte qu'il ne s'assoit pas. Et ça, c'est un plus sur votre aspect, c'est un avis. Qu'il ne s'assoit pas, ça veut dire pour eux, c'est qu'il ne réside pas, ou qu'il ne reste pas dans la mosquée sans accomplir. Donc, ils ont fait cette tournure. Hein. Et donc, pour eux, ils ont pris l'apparence aussi de ce hadith. Et bien entendu, les partisans du premier avis, Malik, ils refusent cette argumentation. Et les autres, ils répondent, ils disent il y a aussi un autre problème. Ils disent quoi le problème? Ils disent on peut faire un raisonnement par analogie. Un raisonnement par analogie par analogie à celui qui entre à la Mecque. Celui qui entre à la Mecque, il faut qu'il accomplisse l'Ihram. Il faut qu'il accomplisse l'Ihram. L'intention de l'Ihram avec les habits. Il faut qu'il accomplisse l'Ihram. Même s'il est de passage à la Mecque. Et donc à partir de là, celui qui entre dans la mosquée, il faut qu'il accomplisse l'Ihram. C'est une sunna pour eux d'accomplir la salutation de la mosquée, même s'il est de passage. Les malikites, ils répondent, ils répliquent. Ils disent non, on n'est pas d'accord avec vous. Ils disent d'abord parce qu'il n'y a pas à faire une analogie. Ce sont deux situations déjà qui ne sont pas pareilles. Dans la première, le hadith est explicite, qu'il ne s'assoit pas avant de vous. Pour, qu'est-ce que vous avez comme preuve? On n'a pas le droit d'entrer à la Mecque
sans ihram. L'imam il dit non, on peut entrer à la Mecque sans ihram. On tient pour preuve, c'est que le professeur et les musulmans et ses compagnons sont venus à deux reprises à Badr sans accomplir le ihram. Et Badr était au-delà de la limite de l'Hulaifa, le Miqat. Donc ils ont dépassé le Miqat sans faire l'ihram. Et le professeur a plusieurs reprises, il a dépassé le Hulaifa sans accomplir l'ihram, surtout lorsqu'il allait en guerre, pour le jihad. Et donc là, il traversait. Donc, puisque le prophète savait qu'il n'avait pas l'intention d'aller à la Mecque pour l'Umrah, pour Gada, pour le Hajj, dans ce cas, il ne le faisait pas. Donc, quelque part, votre argumentation, on trouve pareil. Quelqu'un qui rentre dans la mosquée, il n'a pas l'intention d'y rester, il n'a pas à accomplir ces deux prières. Donc, vous n'avez pas à faire ce raisonnement par analogie à à ceux qui entraient à la Mecque. D'autant plus leur disent-ils que le hadith sur lequel vous basez, لا يجاوز أحدكم الوقت إلا محرما. Que l'un de vous ne dépasse le miqat, le waqt c'est le miqat. Que l'un de vous ne dépasse le miqat, c'est des endroits qui délimitent à partir desquels, lorsqu'on va vers la Mecque, on doit accomplir l'ihram pour celui qui fait l'umrah ou qui fait le hajj, qui veut faire l'umrah ou le hajj. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, on a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا يجاوز أحدكم الوقت إلا بالمحرم. Dans une version, لا تجوز الوقت إلا بالإحرام. Et l'imam il dit, ce hadith-là est faible. Donc, vous ne pouvez pas le prendre comme référence dans ce que vous dites. Donc, à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit, pas du tout interdit, qu'on entre, qu'on dépasse le miqat sans, c'est-à-dire sans l'Ihram. Il n'a pas interdit. Alors, donc, vous voyez bien ici que la vie des Malikites est plus probante que la vie des trois autres zébras. Maintenant, donc, si on veut suivre la vie des Malikites, pour quelqu'un qui est de passage à la mosquée, notamment nous, en Europe, les mosquées, ce sont des centres. Ce sont des centres où on y accomplit beaucoup d'activités, plusieurs activités. Dans nos pays musulmans, on trouve la mosquée, elle est limitée à. C'est-à-dire, n'entre à la mosquée que quelqu'un qui veut vraiment accomplir la prière. Pas ça, c'est difficile maintenant dans le pays de trouver quelqu'un qui entre dans une mosquée pour sortir de l'autre côté. Il va dire, je vais trouver un petit chemin pour raccourcir le chemin et traverser. Même si c'est vrai, dans nos mosquées, tellement les mosquées sont imposantes, ils viennent au milieu d'un quartier, au lieu de faire tout le tour, vous pouvez traverser d'un côté et sortir de l'autre. D'accord ? D'un côté, c'est mieux de dire d'accomplir les salutations de la mosquée, comme ça personne ne le traverse. Et j'en connais dans certains cas où ce sont les voleurs, lorsqu'ils dérobent de l'argent, ils traversent la mosquée. Non seulement ils volent, et ils utilisent la mosquée pour rentrer d'un côté et sortir de l'autre plus rapidement. C'est pour montrer la bêtise humaine. D'ailleurs, on rapporte, il y a un qui volait les chaussures dans les mosquées. Une anecdote, il volait les chaussures dans les mosquées. Il dit même le radical était bien cet homme-là qui volait les mosquées. Lorsqu'il l'a attrapé, ramène-le. Et ils ont commencé à le guetter jusqu'à ce qu'ils l'ont attrapé. Ils l'ont ramené à l'imam. Voilà. Mais dis-toi qu'il vole les chaussures. C'est venu. Mais dis, normalement, quelqu'un qui vole à l'extérieur, lorsqu'il veut se repentir, il vient à la mosquée. Et toi, maintenant, tu voles dans la mosquée. Si tu veux te repentir, où est-ce que tu vas aller? Et dis-moi, la mosquée, tu vas venir aussi te repentir, tu y voles. Alors, où est-ce que tu vas y aller? Donc, tout ça, c'est pour. Alors, maintenant, le cinquième point, et si tu veux que ça sera une question, est-ce que. Lorsqu'on s'assoit, imaginons que quelqu'un est entré à la mosquée, il s'est assis. Est-ce que dans ce cas-là, par oubli, il est entré, par oubli, il s'est assis. Est-ce que dans ce cas, la salutation de la mosquée est annulée pour lui? Ou doit-il se lever et l'accomplir? Alors là aussi, les savants ont divergé, ont deux avis. Premier avis, c'est la majorité des jurisconsultes qui disent que la salutation ne s'annule pas. Il doit pour ceux qui disent que c'est une obligation. Et il est conseillé pour lui, pour ceux qui disent qu'il est conseillé de la faire. Il doit, bien, il est mieux pour lui de se lever et de l'accomplir dès qu'il s'en rappelle. Alors, ils prennent pour preuve le hadith de celui que Ghadafani, qui est le jour du Jumu'ah, s'est assis. Et le professeur lui dit, lève-toi et accomplis. Donc, il a fait
même pour Abu Qatada, lui aussi, il est assis, il s'est assis à côté de Moussa. Moi, je lui ai dit pourquoi tu t'es assis, il a expliqué. Après, il a dit lève-toi et accompli. Donc, pour l'instant, il a fait lever. Donc, à partir de là, les savants, la majorité a dit. Donc, ceci montre bien qu'il fallait se lever aussi. C'est arrivé aussi dans un hadith rapporté par Imam Ahmed sur Abu Dhamr al-Ghifari qui a dit je suis rentré à la mosquée, j'ai vu que le professeur était assis et je me suis venu, je me suis assis à côté de lui. Le professeur m'a dit as-tu accompli la prière à Sabaïta? As-tu accompli la prière? Je lui ai dit non. Et il m'a dit prends face à lui, lève-toi et prie. Donc là, ça montre bien que même si on s'assoit, ça n'annule pas pour autant la salutation de la mosquée. Si on l'a oublié, donc on se lève et on l'accompagne. Le deuxième avis, c'est celui de ceux qui disent que et ce sont les Chafirites en fait, ce sont les Chafirites et c'est une version rapportée chez les Hanbalites. Pour les autres, ce sont les Malikites, les Hanbalites, la majorité des Hanbalites et les Hanafites. Et ici, pour le deuxième avis, c'est celui des Chafirites et une version rapportée chez les Hanbalites. Donc, selon leur avis, la salutation de la mosquée s'annule dès lors qu'on s'assoit. Et sur quoi ils se sont basés? Ils se sont basés sur le raisonnement par analogie à l'entrée à la Mecque. Où ils ont dit, lorsque quelqu'un est entré, il a dépassé le miqat, en allant vers la Mecque, il est entré sans ihram, il n'est pas tenu de ressortir de la Mecque à l'extérieur du miqat et de refaire le ihram avant d'y entrer. Donc à partir de là, on n'a pas à, par ce raisonnement-là, on n'a pas à le faire pour quelqu'un qui est entré à la mosquée. Et quant à l'hadith de Sulayk ibn Ghatafani, ils disent que Sulayk, en fait, il ne connaissait pas, c'est-à-dire il était ignorant de cette prescription. Et c'est pour cela que le professeur a dit lève-toi. C'est pour que quelque part, lui enseigner le fait de l'accomplir. C'est pour cela. Mais pour quelqu'un, pour le commun des musulmans, ils savent dorénavant maintenant que c'est une seule porte. Dans ce cas, s'il a oublié, dès qu'il s'assoit, il n'a pas à se lever. Alors là, vous voyez aussi que l'argumentation ne tient pas, forcément, ne tient pas beaucoup. Parce que les autres, ils le répondent en disant ben, c'est la même chose. Que quelqu'un ignorait la prescription de cette prière, ou quelqu'un l'a oublié, le résultat est le même. À supposer que celui qu'on a enfin, ne connaissait pas sa prescription, pour ça, on lui a dit lève-toi et accomplis-la. Et pareil pour quelqu'un qui a oublié, on lui dit lève-toi et accomplis-la. Pourquoi on le ferait avec quelqu'un qui ignorait cette prescription et on ne le fait pas pour quelqu'un qui l'a oublié. Et ce fut le cas de Abu Hatta, et ce fut le cas de Abu Dhamr. Donc là, vous voyez aussi que l'avis des premiers avis est beaucoup plus probant que l'avis des Chafirites et une version chez les Hanbalites. Le sixième point maintenant qui se pose comme question, si maintenant on multiplie les entrées dans la mosquée, est-ce qu'on doit à chaque entrée, disons très souvent, quelqu'un qui rentre assez souvent à la mosquée, est-ce qu'il doit à chaque entrée accomplir la prière, la salutation de la mosquée? Et là, entendons-nous bien, c'est qu'on est en train de parler de quelqu'un qui rentre à plusieurs reprises. C'est-à-dire, ce n'est pas il vient pour la prière de Dhuhr, il part, il revient pour la prière de la Asr. Dans ce cas-là, il a manqué. Sauf qu'on va voir lorsqu'il s'agit de certains moments où il s'agit d'un intervalle où la prière est interdite. Et on verra la vie des uns et des autres. Là aussi, les savants ont divergé. Ça, on les sera pour l'autre. Mais on parle de quelqu'un qui, par exemple, entre Dhuhr et la Asr, il entre plusieurs fois. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans la mosquée, un travailleur, il rentre, il sort, un prof qui sort, il qui rentre. Donc voilà. Pour une raison ou une autre. Alors là aussi, les savants ont divergé. Et ils ont donné deux opinions. Premier avis, il s'agit de l'avis des Chafirites et de ce qui apparaît des avis des Hanbalites. Alors pour eux, la salutation de la mosquée se reproduit à chaque fois qu'on rentre à la mosquée. Elle se reproduit à chaque fois. Vous avez un travailleur qui travaille dans la mosquée, et il a une nettoie à la mosquée, il sort chaque fois qu'il sort, il rentre, il faut qu'il refasse la prière. Eux, pour eux, ils ont dit on a pris l'apparence du texte. Comment ça va? Lorsque l'un de vous entre, donc il faut qu'il accomplisse. Donc lorsqu'il entre dans la mosquée, il ne rentre pas dans les autres pays. Le deuxième avis, c'est l'avis des Hanafites, des Malikites, et de certains Hanbalites, ainsi que de certains Chafirites.
C'est pour ça que vous voyez de temps en temps, même dans un madhhab, ceux qui sont partisans d'un madhhab ne suivent pas et aveuglent dans le madhhab. Il arrive souvent, même souvent, de trouver certains qui optent pour un autre avis. Et moi, je reconnais que mon école n'a pas opté pour le meilleur avis. Dans ce cas, j'adhère à l'autre avis. C'est ça le savoir, c'est de suivre la preuve, c'est-à-dire tu as des bases. Ceux qui appartiennent à une école, ils ont des bases, ils sont en accord avec les bases avec lesquelles les savants de cette école réfléchissent et argumentent. Il y a des bases, des règles. Et après, de temps en temps, certaines règles ne leur conviennent pas, mais une fois que cette règle-là n'est pas assez solide, dans ce cas, ils peuvent opter pour l'avis des autres écoles. Donc il n'y a pas cette rigidité chez nos savants. Donc pour le deuxième avis, ils disent que lorsque les entrées se répètent, sont multipliés, ne sont pas écartés par un temps assez large, dans ce cas, on n'a pas à refaire tahiyyatul à chaque fois. Il dit si par exemple, la première entrée, entre la première et la deuxième entrée, s'écoule un temps qui est assez large, dans ce cas, oui, si le temps est raccourci, c'est pas. Après, lorsqu'on leur dit, mais comment on va estimer ce temps-là, ils disent, on va laisser à l'offre, à la tradition, ils disent, c'est à l'estimation des uns et des autres. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui travaille dans la mosquée, là, c'est le travail qui lui fait entrer. Un prof à la mosquée qui sort avec les enfants, il entre dans cette classe, il ressort par la mosquée, si c'est pour une autre classe extérieure de la salle de prière. Donc là, tout dépend des circonstances et du contexte dans lequel il est. Mais lorsqu'il y a une longue période qui sépare deux entrées, en ce cas, il a couru après. Mais lorsqu'il s'est raccourci, on leur a dit pourquoi. Ils ont dit l'argumentation qu'on tient, c'est que. Allah ne veut pas nous mettre une gêne dans la religion. Donc à partir de là, il ne faut pas qu'on mette une gêne sur les musulmans concernant sa prière. Sinon, ça va les dissuader d'entrer à plusieurs reprises à la mosquée. Maintenant, le septième point avec une autre question. Est-ce que la salutation de la mosquée s'annule lorsqu'on accomplit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. Imaginez quelqu'un qui est rentré à la mosquée, il a tout de suite accompli une prière obligatoire. Il est entré pour accomplir le temps. Il est rentré, il a accompli le temps. Avant de s'asseoir, il a accompli le temps. Avant de s'asseoir. Est-ce que dans ce cas, il est tenu de, malgré cela, est-ce que le fait d'accomplir cette prière obligatoire, qu'elle soit rattrapée ou accomplie à l'heure, est-ce que dans ce cas, ça annule la prière de la salutation de la mosquée ou pas. Alors là, pour une fois, la majorité des gens responsables se sont accordés. La majorité considère que celui qui entre dans une mosquée et y accomplit une prière nafila ou bien ratiba. Ratiba, c'est des prières qui sont liées aux prières obligatoires, comme les deux ou quatre khas avant la pontor, les deux khas après la asr, ou bien les prières qui sont. Ce qu'on appelle rawatib, on en a déjà parlé. Donc, celui qui entre dans la mosquée, il accomplit une nafila. Il voulait par exemple accomplir l'istikhara. Il entre dans la mosquée, son intention c'est d'accomplir l'istikhara. Il a fait dans le cadre de l'istikhara. Ça annule automatiquement la salutation de la mosquée. Non seulement ça, pour eux ils disent qu'il peut formuler les deux intentions, l'intention de l'istikhara et l'intention de la salutation de la mosquée, il aura les deux récompenses. Ou bien une prière obligatoire, quelqu'un qui est. Il était de passage, les gens ont fait déjà la prière, il est entré à la mosquée. Supposons que Thor est à midi, lui il est entré à 1h à la mosquée, il veut rattraper Thor qui est déjà passé. Est-ce qu'il est tenu de faire une salutation de la mosquée durant son temps? Non. Ça va. Moi je vous dis ça. Est-ce que la l'unanimité? Ils disent non. Il fait son temps et ce temps-là, il remplace la salutation de la mosquée. Non seulement ça, ils disent, il formule les deux. Il formule les deux, même si toutes les amours ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, lorsqu'il s'agit de formuler une intention pour une chose obligatoire, une chose qui n'est pas surérogatoire. Mais lorsqu'il s'agit de surérogatoire, s'il formule les deux, la majorité disent il n'y a pas de problème, il formule les deux intentions, je par cette prière, je suis entré, par exemple, Ratiba, je veux faire deux quatre avant le temps. J'entre dans la mosquée, je vois que les gens vont prier bientôt, et moi je veux faire Ratiba deux quatre avant le temps. Et je viens d'entrer. Si j'accomplis la prière, je n'aurai pas le temps de faire Ratiba. Dans ce cas, je formule les deux intentions. Je vais faire Dorkat
Et dans ces deux cas, je formule l'intention d'accomplir en même temps Ratiba, dans mon temps, et en même temps la salutation de la mosquée. Pour ce qu'elle s'accordise, il aura l'ajr pour deux fois, pour Ratiba et pour la salutation de la mosquée. Quelle est la preuve sur laquelle il se base? Ils disent, c'est comme le jeûne. Lorsque quelqu'un assemble, jeûne une journée pour deux occasions. Par exemple, il jeûne Arafat, le jour de Arafat, pour quelqu'un qui ne l'a formule pas de la même. Il jeûne le jour de Arafat et ça concorde avec le lundi, qu'il a l'habitude de jeûner. Donc lui, de toute manière, il allait jeûner le lundi. Et c'est tombé avec Arafat. Ou le jeudi, c'est tombé avec Arafat. Dans ce cas, il formule les deux intentions. Je jeûne Arafat et je jeûne le lundi que j'ai l'habitude de faire. Et il y aura deux fois l'argent. Il aura deux fois l'argent. Parce que lundi, de toute façon, il allait le faire. Si Arafat est tombé mardi, il aurait fait lundi et mardi. Dans ce cas, bah, je lui donne deux argent avec la même, avec le même jeûne. Donc voilà la preuve sur laquelle se basent les savants pour donc dire ceci. C'est aussi le cas lorsqu'on associe deux intentions pour le même rosé. Les savants, la majorité disent, quelqu'un qui accomplit le rosé ou janara, les grandes ambitions pour une janara, le vendredi. Et là, son intention, c'est j'accomplis le rosé pour une janara, et j'accomplis le rosé du vendredi, parce que c'est le vendredi. Dans ce cas, les deux intentions se valent. On ne va pas lui dire, tu vas faire le rosé pour une janara, ensuite tu refais le rosé pour le vendredi. Et la même chose pour le rosé pour une janara, et on l'associe avec le rosé de l'Aïd. On associe les deux intentions. Donc, ce qui est vrai pour le rosé et pour le jeûne, l'est aussi pour les prières surrogatoires, ou même pour une prière obligatoire, si tu rentres, tu as accompli une prière. Pourquoi disent-ils? Parce qu'ils disent le but, c'est que tu ne t'assoies pas avant l'accomplissement d'une adoration. Par respect à la mosquée et par respect au Seigneur de la mosquée. Donc, dès lors que tu rentres et tu as accompli une prière, ça annule la salutation de la mosquée. Toutefois, il y a un mémoire apporté ici, c'est que ceci est vrai pour tous les nawafis et tous les rawatib, sauf pour une prière, qui est witr, la prière de witr, au cas où on accomplit seulement une rak'a, pour ceux qui ont opté pour cet avis. On verra lorsqu'on parlera de witr, on verra que certains acceptent le fait de dire qu'il y a une rak'a suffit, d'autres qui disent qu'il faut 3-4. Mais pour ceux qui sont d'accord sur le fait d'accomplir une seule cas, donc eux ils disent celui qui, imaginons quelqu'un qui a prié chez lui déjà, et il est venu, il avait un rendez-vous à la mosquée, une réunion à la mosquée, il est venu à la mosquée, et il est rentré, il a accompli la prière de mosquée dans le cas. Est-ce que cette prière-là annule la salutation de la mosquée? Les savants disent non, parce que la salutation de la mosquée c'est deux cas. Donc il faut qu'il accomplisse deux cas ou plus, mais pas moins. Donc, une raka'a de witr ne remplace pas la salutation de la mosquée. Et il en est de même pour la prière de janaza. Parce que dans la prière de janaza, il n'y a pas un record, il n'y a pas sujet. Il en est de même pour ce juste tilawa, la prosternation de la récitation du Coran. Celle-là aussi ne remplace pas la salutation de la mosquée. Ou bien c'est un choc pour ceux qui considèrent que cette choc existe. Donc, la prosternation du remerciement, de reconnaissance. Donc là aussi. Ça n'annule pas l'accomplissement de la prière, de la salutation de la mosquée. Alors maintenant, il reste trois questions majeures. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas vous trop charger. La première, c'est concernant la salutation de l'Haram, la mosquée de l'Haram, de la Mecque. Comment s'accomplit la salutation de la mosquée-là? Et est-ce qu'on accomplit les salutations de la mosquée lorsque, pendant les moments où il est déconseillé ou interdit d'accomplir la prière, comme entre la Asr et le Maghrib, comme après l'accomplissement du Sol, ou le lever du soleil ou le coucher du soleil? Et est-ce qu'on accomplit la prière de salutation de la mosquée lorsque l'imam est en train de prêcher le vendredi? Ce sont des questions qui reviennent assez souvent, dans lesquelles il y a beaucoup de polémiques. Donc on verra ce que les savants ont dit sur ces questions-là, avec leur argumentation, leur preuve de chacun, et on verra qu'on leur doit respect, quel que soit la vie pour laquelle ils ont porté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Il a dit